que des fois la réaction nous emporte. Dans la colère ou dans l'ignorance, dans les passions, et des fois on fait des catastrophes. Lorsque c'est une réaction par l'émotion, ben des fois on déborde. Des fois on casse une famille par un mot de divorce. Des fois on quitte l'islam par le fait d'insulter Allah ou son messager et je ne sais quoi. Parce que ce sont des réactions émotionnelles. J'aimerais bien que l'émotion soit utilisée à bon escient. Comme je vous l'ai dit hier, ma femme, je t'aime, les émotions positives et les émotions négatives, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les émotions négatives? Qu'est-ce qu'on fait? On les écrase. C'est ça le défi. Je jure au toi, mon âme, que tu vas descendre. Je vais t'écraser. Il n'y aura plus de colère. Il n'y aura plus de... Et ainsi de suite. C'est ça le défi. Le défi de tout un chacun, c'est justement... Ce qu'il a de bien, il l'amplifie. Ce qu'il a de mauvais, il faut qu'il l'écrase. Jusqu'à ce qu'il devienne une pureté totale.